De la houle en basse et du vent offshore modéré ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un joli coucher de lune, un ciel qui est dégagé, une température extérieure à 7-8 degrés, une température de l'eau à 13 degrés, une marée qui commence à descendre. Le plein bas est à midi, les coefficients de 92. Sur ce début du descendant, le vent est offshore sud-est, modéré, 2 à 3 beaufort. Il y a 4 à 5 nœuds établis, des rafales à 7-8 nœuds, il est assez présent. Le plan d'eau est un peu ridé, la houle est un peu sectionnée. Une houle qui est à le long avec 14 secondes de période orientée ouest à ouest-sud-ouest en atténuation par rapport à hier soir. Il y a sur les séries 2 mètres, quand il n'y a pas les séries, il y a 1m20, 1m50. Ben, il y a des vagues qui arrivent à dérouler, hein. C'est moins joli qu'hier, ça sectionne un peu plus. Les phases de vagues sont mises, les épaules sont semi-creuses. La barre est facile à passer, hein. Il y a des belles zones de contournement, il y a des vagues qui arrivent à dérouler au large, au bord. Il y a de quoi glisser. Il y a un créneau ce matin pour des surfeurs assez motivés, beaucoup moins sélectifs qu'hier. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle en légère baisse à la mi-journée qui doit se maintenir ensuite. Le vent doit se renforcer sud-sud-ouest à la mi-journée avant de se calmer onshore. Cet après-midi, la bouée Arcachon est à la baisse. Elle est passée de 3,10 m et 9 secondes à 2,70 m et 9 secondes ce matin. On attend à 13h 1,50 m à 2 m, ou l'ouest à ouest-sud-ouest 14 secondes de période. Vent de sud-sud-ouest 3 à 4 Beaufort et à 17h 1,50 m à 2 m, ou l'ouest à ouest-sud-ouest 13 secondes de période. Vent de sud-ouest à 2 Beaufort. Il y a un créneau ce matin pour les surfeurs les plus motivés et à surveiller cet après-midi aussi avec la marée haute et les gros coefs et le vent qui devrait se calmer. Prochain point, 8h30. À tout à l'heure. Merci.